Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Yikshooters, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 Online pour un nouvel épisode des tenues secrètes. Alors dans cet épisode, ça sera la tenue de Jeezy de GTA San Andreas. Donc alors dans une boutique de vêtements, vous allez commencer par vous rendre dans les pantalons de costume pour tout simplement acheter le baggy bleu. Ensuite, vous quittez les pantalons pour aller vous rendre dans les hauts, dans les vestes de costume pour soit aller acheter la veste cintrée bleue ou alors le blazer bleu, comme vous voulez. Les deux lui ressemblent très bien. Ensuite, toujours dans les hauts, vous allez dans les chemises de bureau pour tout simplement aller acheter la chemise blanche, qui lui ressemble aussi très bien. Maintenant qu'elle est achetée, vous allez vous rendre dans les chaussures, pour soit acheter les mocassins blancs dans les chaussures chic, ou alors les chaussures noires et blanches dans les chaussures de skate. Vous faites comme vous voulez, les deux lui ressemblent bien. Moi personnellement, je reste sur les chaussures de skate noires et blanches. Donc maintenant, vous allez vous rendre chez le coiffeur. Là, pour les vêtements, c'est terminé. Donc vous allez dans les coiffures, dans les coupes rasées, et vous achetez la coupe rasée de près noire. Moi personnellement je vais pas l'acheter car je trouve que la coupe n'est vraiment pas très belle, donc du coup je préfère ne pas la mettre. Donc ensuite vous allez dans les barbes et vous vous équipez de la moustache et rouflaquette, ou alors du collier comme vous voulez. Et donc la tenue est terminée, vous voyez qu'elle est super ressemblante, je vous mets une image à l'écran, vous voyez ça ressemble vraiment super bien. Donc n'hésitez pas à laisser un maximum de likes, de commentaires positifs et de partages. Et donc si vous avez des tenues, n'hésitez vraiment pas à me les proposer dans les commentaires. Donc n'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Twitter, à rejoindre mon crew sur GTA 5 ou alors même m'ajouter sur Skype si vous avez des questions. Tout vous attend dans la description de la vidéo. Donc voilà, moi je vous dis à tous à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao tout le monde !